Les lémuriens de Madagascar. Qu'est-ce qui caractérise cette famille de primates? Les lémuriens sont des petits animaux sympathiques et aux particularités uniques. Ces primates sont considérés comme des cousins lointains des singes et peut-être même leurs ancêtres. Les lémuriens vivent sur l'île de Madagascar. On pense qu'ils sont arrivés à cette destination, il y a fort longtemps sur des troncs d'arbres flottant après une catastrophe naturelle. Les premiers à avoir colonisé Madagascar sont les plus petits que l'on connaisse à l'heure actuelle. Ils se nomment les microcèbes et étaient à l'époque de la taille d'une souris. Les lémuriens se reconnaissent grâce à leurs gros yeux ronds. Ils ont également certains comportements que l'on peut qualifier de mimétisme humain. On a envie de les caresser tellement, ils ont l'air doux et gentils. Mais, attention, il ne faut pas s'y fier, car ils restent des animaux sauvages et certains de leurs ancêtres faisaient deux fois la taille humaine et pesaient même jusqu'à 200 kg. Les lémuriens sont emblématiques sur l'île car ils ont souvent fait l'objet de légendes et contes malgaches. Tantôt, ils furent qualifiés de créatures cannibales puis de porte-bonheur ou encore de mauvais présages. Ainsi, certains furent chassés et d'autres adulés selon leur espèce. Aujourd'hui, ces animaux sont préservés. Les malgaches en adoptent certains comme animaux domestiques. D'autres, par contre, comme le hais, leur font peur et sont toujours considérés comme mauvais présages. Est-ce pour les cris lugubres et leur allure fantomatique qu'il épouvante encore la population indigène? Là est la question. Pour rencontrer des lémuriens vivant à l'état sauvage, il faut se rendre à Madagascar, car ils ne sont présents que sur cette île. En se promenant, on les rencontre un peu partout aux abords des forêts. Certains sont présents également à Mayotte et aux Comores, mais dans des eaux comme partout dans le reste du monde. Les lémuriens sont en voie de disparition, car leur habitat naturel a été détruit par l'homme au fil des ans dans la forêt tropicale. Les lémuriens sont tous des primates strepsirhiniens endémiques. Il existe plus d'une centaine d'espèces actuellement. La plus petite est représentée par le microcèbe pesant 30 grammes jusqu'à l'indri pesant près de 10 kg. À ce jour, les espèces plus grandes sont toutes disparues de la surface du globe. Les lémuriens, comme tous les primates, ont 5 doigts aux pattes munis d'ongles résistants leur permettant de s'accrocher aux branches. De nombreuses espèces ont même développé un ongle plus épais que les autres que l'on nomme la griffe de toilette. Cette griffe permet à l'animal de faire sa toilette et de se gratter. Le gros orteil est séparé des autres doigts afin de mieux être accroché à une branche. Leur organe voméronasal permet de détecter leurs congénères grâce aux phéromones qu'ils dégagent. Les pattes arrière sont plus développées que les pattes avant pour leur permettre de sauter assez loin. Leur langue est très longue pour attraper le nectar et le pollen des fleurs dont ils se nourrissent. Les dents sont très différentes en fonction des espèces. Certains comme les indris ont des dents pour couper des feuilles et broyer des graines. D'autres comme les fanés ont des dents plus longues pour mordre dans l'écorce des arbres pour atteindre leur sève. Ils ont tous un peigne composé de 6 dents sauf certains qui n'en ont que 4 une fois adultes, car ils perdent les incisives jeunes. Les lémuriens sont dotés d'un odorat puissant dont ils se servent pour communiquer surtout la nuit. On peut remarquer que leur museau est assez long. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les lémuriens se déplacent ainsi plus avec leur odorat développé que leur capacité visuelle. Leur acuité visuelle est d'ailleurs assez faible bien qu'il ait une forte sommation rétinienne. Le lémurien peut conserver son énergie pendant la saison sèche.
Il peut ainsi abaisser ses besoins en eau et en nourriture jusqu'à 20%. Au soleil, le lémurien s'expose assis, dos voûté et se blottit groupé pour réduire les pertes de chaleur afin de conserver le maximum de calories. Avant que la saison sèche n'arrive, le lémurien engrange de la graisse à la base de ses pattes arrière et de sa queue pour lutter contre la chaleur le moment venu. Le comportement du lémurien varie en fonction de sa locomotion, son régime alimentaire, son système social, son activité, ses communications avec ses congénères, l'élevage de ses petits. Ce comportement varie aussi en fonction de l'espèce. Les petits lémuriens sont plus nocturnes que les grands lémuriens qui sont diurnes. D'une espèce à l'autre, la nourriture du lémurien est très variable. Les plus petits sont frugivores et insectivores tandis que les plus grands sont herbivores. Par contre, afin de préserver la race, lorsqu'ils sont affamés, ils mangent tout ce qui est comestible et deviennent omnivores. Les végétaux poussants à Madagascar restent la majorité de leur régime alimentaire, car la plupart des espèces sont arboricoles sauf le maquis vari noir et blanc qui ne consomme que de l'herbe. Le lémurien est un animal sociable et vit en groupe d'au moins une quinzaine d'individus. Par contre, les lémuriens nocturnes, bien que sociaux, vivent souvent seuls pour chercher leur nourriture puis nichent avec les autres en journée. Aujourd'hui, ces mignons petits animaux sont menacés par de nombreux problèmes environnementaux comme la chasse, le commerce d'animaux exotiques, le changement climatique et surtout la déforestation massive. De nombreuses associations et zoos essaient de les sauver de l'extinction. Souhaitons que ce gentil petit primate puisse survivre et se reproduire dans son milieu naturel et repeupler l'île de Madagascar dans les années à venir. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.